Si tu Oui. veux, oui. Bien, bonsoir à tous. Merci d'être venus nous écouter pour cette présentation de la traduction que j'ai réalisée en français de Hadzi Manouil de Thrasos Kastanakis. Alors, je me présente, je suis le traducteur, je m'appelle Hervé Georgelin et l'autre personne qui va parler... C'est Lisa Jean Bénichou, qui est romancière et qui vit à Athènes, comme moi. Voilà, si tu veux bien, il faut que je parle plus fort, volontiers. C'est bon. Allez, vas-y. Donc, alors, oui, ça marche. Pour la présentation du livre Manouil de Hadge. Je vais faire la présentation avec des questions envers le traducteur en deux parties. Dans la mesure où effectivement ce livre est une traduction, je voulais au départ commencer par parler du métier de traducteur, métier dont on parle en général peu. Le traducteur est souvent une ombre, on ne regarde même pas souvent le nom du traducteur quand on lit un livre traduit. Et je, donc, pour introduire cette notion de traducteur, je pense qu'être traducteur, c'est effectivement connaître une langue, mais ce n'est pas suffisant pour traduire un roman, une pièce de théâtre, voire même des poèmes ou des paroles de chansons. Il faut des connaissances linguistiques, bien sûr, mais aussi il faut avoir le goût de l'écriture et rester en plus fidèle au style de l'auteur. Donc je pense que le traducteur littéraire, c'est un passeur de mots et que c'est grâce à lui que la littérature franchit les frontières. Donc il est bien qu'il ne reste pas dans l'ombre, dans la mesure où sans le traducteur, on ne pourrait pas lire des textes qui nous viennent d'autres pays parce qu'on ne peut pas connaître toutes les langues. Donc ce métier est absolument indispensable à la circulation de la littérature. Alors je voulais demander donc à Hervé, dont c'est le métier, tout d'abord comment devient-on traducteur littéraire, et puis aussi quelle est une autre question dans la même, quel est le rapport du traducteur avec la littérature? Alors pour ce qui est du fait de se mettre à traduire, il y a deux éléments de réponse qui me sont venus à l'esprit. D'abord, j'ai fait des études littéraires. Certes, je suis historien aujourd'hui, comme vous pouvez le voir sur la petite table dans l'entrée, et il m'arrive de produire des livres d'histoire. Mais je suis agrégatif d'allemand, et donc j'ai été entraîné à haute dose à traduction dans les deux sens, et puis j'ai aussi une licence de grec moderne des langues orientales. Par ailleurs, j'ai vécu en milieu arménophone, et donc j'ai dû apprendre l'arménien, et comme vous imaginez que c'est une langue assez peu parlée, on est constamment en arménien en train de traduire des langues extérieures vers l'arménien et de l'arménien vers les langues extérieures. Ce qui est très important, je pense, pour être inspiré, pour se lancer, c'est d'avoir eu des gens qui se sont comportés envers vous de façon un peu généreuse, c'est-à-dire que donc j'ai pensé à trois personnes dans mon parcours, donc un traducteur de Kafka vers le français qui s'appelle Bernard Lortolari, un germaniste qui est lui germanophone, qui traduit vers l'allemand s'il traduit, c'est Gerald Stieg, et puis Aline Alco, un monsieur que Codil connaît aussi, un monsieur Christos Papazoglou, qui étaient des gens qui donnaient le goût de ces choses-là, de la traduction, donc comment on cherche ce qu'on ne comprend pas, comment on devine intelligemment, comment on se sert du contexte, comment on respecte le ton du texte de départ, et comment il faut chercher quand on ne sait pas a priori. Et puis comment arrive la première fois? Alors la première fois, elle tient un peu du hasard, elle tient de l'envie propre, bien sûr, mais voilà. Alors
les hasards sont jamais purs et les envies naissent aussi dans certaines situations dans lesquelles on s'est mis soi-même. Alors le premier livre que j'ai traduit, je me suis lancé tout seul. Donc a priori, c'était à l'époque en tout cas la langue que je connaissais moins bien. Mais je tombe par hasard sur un livre donc en arménien, puisque à Paris, il y avait une librairie, mais ce n'est pas de la librairie dont je veux parler. Il y a une bibliothèque qui fonctionne toujours, qui est au métro Passy, la librairie Noubar Pacha. Et je tombe sur ce livre, qui évidemment, avec cette graphie, va vous dire peu de choses. Ça s'appelle en arménien « Aïnsev Orerun », donc « En ces sombres jours », d'un monsieur que je trouve élégant, Aram Andonian. C'est une photo de lui quand il est assez jeune. Il se trouve que c'est le premier conservateur de cette bibliothèque à Paris et qu'il est originaire de Constantinople. Donc vous voyez, petit à petit, on va se rapprocher du thème de cette soirée. Alors je tombe sur ce livre un peu par hasard, et puis parce que je fréquentais des histoires de la littérature arménienne, parce que voilà, bon. Et donc je découvre ça, et je trouve que c'est formidable. Et j'ai très envie de le traduire, et ça me fait du bien à moi de le traduire. Je découvre un arménien élégant, des gens qui réfléchissent, des gens qui ont de l'humour, des gens qui sont autocritiques aussi. Étant donné que le monde arménien est vraiment un monde écrasé, le monde arménien occidental est un monde complètement écrasé, ce sont des qualités qui sont, à mon sens, très rares. Alors, je fais ça dans mon coin. Et puis, à l'époque, je vivais certaines choses dans ma vie qui font que j'avais envie de me consacrer à cette écriture, à cette réécriture. Et puis, par hasard, on me présente un monsieur qui s'appelle Stefan Christensen et qui habite à Genève. Qui est philosophe par ailleurs, il est spécialiste de Merleau-Ponty, et qui était en train de monter, pour des raisons économiques, une petite maison d'édition qui s'appelle Métis Press à Genève. Il n'était pas seul dans cette structure, mais moi, bon, je le découvre bien après. On se rencontre à Paris, et puis on parle de ce texte. Je l'avais envoyé par mail les premiers, au moins un ou deux. C'est pas des chapitres, ce sont des petites nouvelles. Ce sont des petites nouvelles, voilà. Bon. Et voilà, contact pris. Et puis voilà, ça se fait comme ça. Donc on ne parle pas de gros sous, on ne parle pas de projets économiquement viables, on ne parle de rien du tout de tout ça. Ils ont eu, je crois, une subvention par une fondation ou un couple suisse, enfin arménien de Suisse. Voilà. Et donc finalement, ça aboutit à cette chose-là, à ce livre donc, en français, qui n'est pas parfait, qui est sûrement, d'un point de vue technique, pas tout à fait réussi, mais j'y suis très attaché puisque c'est le premier et qu'évidemment, après, je me sentais plus armé pour continuer. Alors, cette chose-là, en ces sombres jours, me propulse avec, donc, dans la qualité de traducteur. Et puis après, parce que généralement, donc, voilà, j'en avais pas fini apparemment. Et donc, au gré de ma culture propre, des choses en arménien, je commence à proposer des choses autres, de nouveaux projets à la maison d'édition, qui entre-temps change, est de plus en plus, organisée. C'est pas une grosse structure, mais bon, donc M. Christensen disparaît plus ou moins de la structure, mais on veut bien me garder comme traducteur. Et donc, je propose un roman. Alors, cette fois-ci, c'est vraiment une autre paire de manches, un grand roman. Et il se trouve que c'est un chef-d'œuvre de la littérature arménienne de Constantinople, d'Istanbul contemporaine.
qui n'était pas, évidemment, pas traduit en français. Et donc, je me lance tout seul. Et alors là, je crois que j'ai eu une subvention du Centre national du livre. Enfin, on reviendra. Donc, ça s'appelle Le crépuscule des fourmis et l'auteur s'appelle Zaven Biberian. C'est un auteur qui meurt à Istanbul en 1984. Donc, vous voyez, c'est un monde écrasé, mais qui a aussi de beaux restes. Et voilà. Alors, après, j'ai traduit également des livres des deux auteurs que je viens d'énoncer. Donc ça, c'est un livre très réussi, je crois. Ça s'appelle « Sur la route de l'exil » d'Aram Andonian, donc du premier auteur, qui lui meurt à Paris en 1957 en tant qu'exilé. Et en fait, ce sont deux histoires. La première, c'est une histoire autobiographique de sa déportation. Et la deuxième, c'est l'histoire de déportation d'un autre intellectuel de Constantinople. Il va jusqu'au bout, jusqu'à la mise à mort de ce monsieur et son enterrement illicite, d'ailleurs, par des femmes arméniennes. Donc, ça, c'est Aram Andonian, sur la route de l'exil. Et puis de Zaven Biberian, donc de ce romancier tout à fait exceptionnel, j'ai traduit un autre roman qui s'appelle La Traînée. Et donc ça se passe à Istanbul dans les années 50. Et donc le titre me plaît beaucoup déjà pour commencer parce que y a-t-il une traînée dans ce livre? Sinon, une réputation de traînée, plutôt. Voilà. Alors ça, c'est pour le côté arménien des choses. Et je voyais bien que je traduisais à partir de la langue qu'au départ, je connaissais le moins bien, le moins formellement. J'ai aucun diplôme en arménien. Il en existe en France, mais moi, j'en ai pas. Et j'ai plus de 50, enfin, j'ai 50 ans, donc il est pas du tout dans ma perspective. Je n'ai pas l'ambition d'avoir un diplôme d'arménien un jour. Donc je trouvais que c'était quand même un peu étonnant et quand même je suis aussi néo-helléniste. Comment faire, voilà. Donc j'avais envie de traduire quelque chose à partir du grec et je tombe sur ce texte, Oradi Manouil. Et donc comme les livres que je viens d'évoquer, qui peuvent vous sembler très lointains parce que écrit dans une autre langue, eh bien l'auteur, Thrasos Kastanakis, il a comme point commun avec Aram Andonian et avec Zaven Biberian d'être né à Constantinople, Istanbul, lui aussi. Donc lui, né en 1901, Biberian né en 1921, et ça, c'est Biberian, oui, et Andonian, c'est fin du 19e siècle. Donc vous voyez, ils sont à 20 ans après, ils sont de la même ville, et voilà. Donc je change de langue pour traduire, mais je ne changerai pas complètement d'univers, loin de là. Et donc voilà, c'est ça que j'aimerais peut-être émettre comme idée ce soir, c'est que, étant donné que tous ces livres tournent autour d'un État qui n'existe plus, l'Empire ottoman ou la Turquie contemporaine, qu'ils viennent tous d'une certaine façon d'Istanbul-Constantinople. Ces livres, quelle que soit la langue dans laquelle ils ont été écrits, ont quelque chose en commun. Alors, comment ai-je découvert Thrasos Kastanakis et ce livre en particulier? Bien, il me semble que M. Papazoglou avait parlé de Thrasos Kastanakis. Il en avait parlé parce que Thrasos Kastanakis a la bonne idée de partir d'Istanbul-Constantinople en 1921, si je ne dis pas de bêtises, avant que la Turquie contemporaine soit formée et surtout avant que les troupes kémalistes ne remplacent l'occupation franco-britannique de la ville. Donc, et il vient à Paris. Et il va faire des études à la Sorbonne. Ensuite, il aura un poste aux langues orientales. Et donc, M. Papazoglou avait évoqué le fait qu'il était dans la lignée de cet écrivain. Alors, Kastanakis n'est pas très connu en Grèce.
C'est le livre le plus connu, mais on ne connaît pas cette œuvre généralement par le livre. On le connaît parce qu'il y a eu une série télévisée qui a été tirée de ce roman. Et si les gens connaissent cette œuvre avec ce titre, généralement ils ont vu la série télévisée. Pourtant, comme vous le voyez, si vous êtes familier un petit peu des éditions grecques, vous voyez qu'il a été édité chez des gens très sérieux, puisqu'il s'agit d'Estia, et que donc c'est un gage de qualité. Donc voilà, je réfléchis pas trop, ça me plaît, quelqu'un me l'indique, puisqu'évidemment je suis très curieux de ce que les gens d'Istanbul écrivent, en grec aussi, et donc je connais pas mal la littérature des Grecs d'Asie mineure, donc également. Et celui-là, je ne le connaissais pas, donc je me jette dessus, je le lis, et ça me plaît, je suis enthousiaste. Et donc j'ai envie de le traduire, car enfin, c'est une langue que je connais bien mieux que l'arménien, ou du moins je le crois. Et voilà. Alors je me rends compte au bout d'un moment qu'il a déjà été traduit en français, mais quelques dizaines d'années avant moi, et que de toute façon, cette traduction est épuisée. D'ailleurs, le traducteur à l'époque n'a pas jugé bon de garder le titre original. Il choisit une autre formule qu'on verra plus tard, puisque dans les extraits qu'on va vous lire, il y aura le passage qui donne le titre de l'autre traduction. Je ne l'ai pas lu, l'autre traduction, en pensant que, de toute façon, j'avais un rapport à ces choses-là tellement différent. Que ça pouvait pas se recouper, je voulais pas à la fois me faire influencer outre mesure, je voulais garder ma liberté de traducteur, et puis tous ces textes écrits soit en arménien soit en grec portent en eux la marque de ce qu'a été Constantinople cosmopolite. C'est-à-dire que, quelle que soit la langue, aussi bien les livres en arménien que le livre ici en grec, charrie dans la langue d'écriture la trace de la présence des autres langues. Alors je ne sais pas, donc je ne vais pas critiquer du tout, je ne sais pas comment le traducteur, il me semble que c'est Mirambel, donc c'est quelqu'un de, je crois, si je ne dis pas de bêtises, donc c'est vraiment un néo-helléniste important pour les Français. Mais donc je ne sais pas comment il s'est débrouillé de cette chose-là. Mon parti pris à moi, c'est de respecter cette bizarrerie pour un lecteur francophone et de tenir compte de la présence des autres langues. Donc je m'attache a priori à traduire la langue dans laquelle le livre est censé avoir été écrit. Et j'essaie de garder, dans la mesure où ça n'empêche pas la compréhension, dans la mesure où ça ne casse pas le rythme de la phrase, je garde la trace des autres langues quand elles sont incluses dans le texte. Donc, je me dis que ça ne peut pas être la même chose, ça sera forcément un travail différent, et donc, allons-y, voilà. Et donc la maison d'édition est relativement intéressée il me laisse faire cette chose-là. Voilà. Alors, j'ai parlé déjà beaucoup, mais je veux peut-être... Voilà, la littérature. Alors, oui, quelle est la place que la littérature occupe dans ma vie ? Bon, c'est évidemment une grande question. C'est pour ça que j'ai amené pas mal de livres avec moi, en plus des livres que j'ai traduits, pour vous dire qu'éventuellement... voilà, évidemment, c'est quelque chose qui est important pour moi. Comment on rencontre la littérature ? Ben écoutez, je pense que mon expérience va recouper celle d'autres personnes. Si on ne vient pas d'une famille extrêmement cultivée, extrêmement lettrée, il y a de fortes chances que ça se passe à l'école. Donc c'est mon cas. Ça n'est pas très original, mais je pense que c'est tout à fait vrai, c'est ce qui s'est passé. Et donc,
je suis encore sous l'influence de gens que j'ai rencontrés quand j'étais dans le secondaire. Il y a des gens qui font leur travail correctement. Et aujourd'hui encore, d'ailleurs, je sais que ma fille, par exemple, est en train d'apprendre par cœur la tirade d'Yon Dieg pour sa classe de français. Donc c'est fondamental d'avoir des enseignants qui font ou qui ont fait leur travail pour avoir une première initiation. Et puis, je me rends compte aussi que quand je lis la littérature, je me sens plus à l'aise, je suis en meilleure santé psychique, et que sûrement, il y a d'autres choses dans ma vie, bien sûr, que la littérature, mais sans aucun doute, ça participe à mon équilibre personnel. Donc, je voulais vous parler des choses que j'ai lues dernièrement en grec, par exemple. Alors, il y a un livre qui a été présenté ici, mais je n'ai plus d'exemplaire chez moi, donc je ne pouvais pas vous l'apporter. Ça s'appelle « Denles Kuvenda » de Makis Malafekas Diamandi. Μπορείς να δείξεις αυτό το βιβλίο, αν έχεις. Denles Kuvenda. Voilà. Donc ça m'a bien plu. Ça n'est pas, ce n'est pas une lecture très difficile. C'est un beau livre, vous allez voir. Il y a une très belle couverture. Des éditions Mélanie. Et puis, j'ai lu aussi dernièrement une chose qui peut paraître assez courte, mais qui l'est d'ailleurs. Chez le même éditeur, Traballa, de Christos Gezos, que j'ai trouvé excellent. Ça, c'est un recueil de nouvelles. Un roman d'Istanbul, contemporain. Le monsieur vient de mourir il y a un an ou deux seulement. Il était diacre dans l'église orthodoxe, mais il a vécu en tant qu'homme marié en Allemagne. Et il s'appelait Christos Anagnostopoulos, Totelos tis Balladas. Ça a été publié à Istanbul. C'est les premiers romans depuis des dizaines d'années qui sont publiés en grec à Istanbul, chez une maison d'édition qui s'appelle Istos. Voilà. Donc, j'essaye de lire en grec, puisque je vis en Grèce, n'est-ce pas? Mais j'essaie aussi de lire dans d'autres langues. Alors, bon, il se trouve que je n'étais pas retourné en Allemagne depuis 12 ans et que ça m'est arrivé au mois de mars. Et j'ai lu ce livre de Christoph Hein, Glückskind mit Vater. Donc, ça va être sûrement traduit en français par quelqu'un de beaucoup plus doué que moi. C'est le chanceux avec donc l'enfant chanceux ou l'enfant du bonheur avec père. Que j'ai trouvé formidable. Et ça m'a vraiment transporté. Et j'étais très content d'être retourné en Allemagne, ne serait-ce que pour avoir lu après ce roman. Alors qu'est-ce que ça m'apporte, la littérature? Pourquoi ça m'intéresse, la littérature? Parce que normalement, je suis historien, je m'occupe de la réalité, je m'occupe des choses vraies, des choses attestées, des choses qu'on trouve dans les sources. Bon, alors moi je pense que la littérature nous éclaire sur des aspects de la réalité qui ne sont pas forcément dans les sources classiques que les historiens utilisent, de tout ce dont on ne parle pas normalement chez les gens corrects. Et ça donne généralement aussi des motivations d'ordre psychologique, d'ordre culturel, des choses qui ne se disent pas, qui ne devraient pas se dire, qui normalement ailleurs ne trouvent pas leur place. Et ça m'est très précieux dans la vie. Je trouve que ça complète la vie réelle. Voilà. Que vous dire d'autre à propos de l'écriture? Donc, alors pourquoi vous n'êtes que traducteur? Quand est-ce que vous écrivez votre livre à vous? Enfin, voilà, c'est des choses qui sont aussi qui viennent facilement à l'esprit. Alors, je crois que c'est très important d'avoir, à un moment donné, l'expérience d'écriture d'un texte de fiction soi-même. Alors aussi, par hasard, on m'a invité à écrire de courts textes en arménien. Donc,
J'ai jamais été à l'école en arménien, donc je... Bon. Mais j'avais quelques petits trucs à dire en arménien, et bon, se servir de héros de fiction, c'était pas plus mal. Donc j'ai écrit peut-être une petite dizaine, peut-être même pas 10 textes donc, de fiction en arménien. Alors c'est très intéressant de passer de l'autre côté, parce que vous savez où vous mentez, où vous inventez, et vous savez aussi à partir de quoi vous inventez et vous mentez. Et donc, ce rapport avec la réalité ou l'expérience propre, eh bien, ça permet sûrement d'aiguiser le regard sur les œuvres qu'on va traduire soi-même. Voilà. Donc là, je crois que vous en avez déjà appris beaucoup sur la façon dont on peut venir à la traduction. Il y a sûrement d'autres façons. Et quels sont mes rapports à la littérature ? Alors ensuite, je voulais poser une question relativement néophyte auquel Hervé a répondu quelque part. Je voulais demander comment et par qui le traducteur est-il choisi. En grande partie, il nous a répondu parce que dans le cas au moins d'Hervé, c'est lui visiblement qui choisit ses auteurs et les livres qu'il traduit. Mais je pense que c'est pas pour tous les traducteurs sûrement. Pareil, sûrement pas. Oui. C'est pas vrai pour tous les, tous les livres non plus. Oui, moi j'adore ma liberté, ça c'est quelque chose qui est vraiment vissé à mon caractère, et donc je fais les choses parce que j'en ai envie. Généralement je les fais assez bien quand j'en ai envie. Alors tout ne se passe pas comme ça dans la vie, nous le savons tous, et donc dernièrement on m'a demandé de lire un court ouvrage d'un auteur qui s'appelle Arpiar Arpiarian, qui s'appelle Rouge Offrande, et donc le travail est fini, et j'espère que ça va paraître. Non, c'est moi tout le temps qui ai pris l'initiative, et voilà, je trouve que c'est fondamental d'être vraiment dans son geste, et il se trouve que je n'ai traduit d'ouvrage que quand je me reconnaissais au moins un petit peu dans l'écriture, dans le ton de ce que je traduisais. Alors, mon autre question est aussi un peu prosaïque, c'est la rémunération de l'auteur, du traducteur, pardon. L'auteur, lui, il est rémunéré en droit d'auteur, comme on sait. Alors oui, plus ou moins, oui, voilà, plus ou moins comme ça. Mais bon, ils existent. Et comment le traducteur, lui, est-il rémunéré quand il est rémunéré? Parce qu'on se doute, enfin, tu nous en as parlé tout à l'heure, qu'il y a beaucoup de traducteurs qui font ça par amour de la littérature ou d'un texte ou d'un auteur. Mais voilà, après la rémunération, c'est encore autre chose. Donc, est-ce que tu peux nous parler de la rémunération? C'est un sujet fondamental parce que c'est l'ère de la guerre, bien sûr. Et... Alors je voudrais dire que la traduction littéraire, donc partir du grec vers le français, ne permet pas de vivre. Et même la personne, le plus grand traducteur à partir du grec vers le français, ne vit pas de cette activité. Mais quand même, voilà. Donc il existe... ça n'est pas en France, ça n'est pas ça n'est pas l'économie de marché uniquement, puisqu'il y a un système relativement important d'aide à la traduction qui est géré par le Centre national du livre. Donc je l'ai déjà évoqué. Alors ça a l'air formidable comme idée, et ça l'est dans son principe. Le Centre national du livre vous accorde ou pas, quand vous avez traduit je sais pas, c'est 20 ou 25 pages, ou c'est un pourcentage, je sais pas, 10% du livre. Donc, ils regardent ensuite la qualité du travail fourni, et puis on décide de vous accorder ou de ne pas vous accorder la subvention. Tous ces systèmes d'aide à l'activité culturelle, on va dire, des coulisses qui peuvent fausser la bonne idée de départ. Donc, par exemple, que se passe-t-il quand la maison d'édition s'approprie la subvention accordée par le Centre national du livre
pour la traduction. Parce que si vous, vous avez envie de gagner votre vie ou de gagner un petit peu votre vie ou gagner un petit quelque chose, eh bien, les maisons d'édition, qui sont extrêmement nombreuses, ont aussi envie de survivre et d'assurer la pérennité commerciale de leur action. Alors, en fait, voilà. Donc, ça, c'est un premier biais. Donc, il se trouve que souvent... quand j'ai eu des subventions, j'en ai rétrocédé gentiment une partie à la maison d'édition. Ce qui, au départ, vous paraît très compréhensible, mais ce qui, au bout du cinquième livre, par exemple, commence à devenir un petit peu fatigant. Dernièrement, au Lexicopolio, il y a eu une présentation d'une nouvelle maison d'édition indépendante par Anne-Laure Brisac, et je crois qu'elle nous a très bien expliqué comment il était difficile, donc sa maison s'appelle Signe et Balise, et combien c'est difficile pour une petite maison indépendante d'arriver à l'équilibre et de diffuser et de vendre ses publications. Voilà, donc c'est la maison Métis Press à Genève est aussi une petite maison d'édition. J'imagine que vous n'aviez jamais entendu parler auparavant. Et donc il y a des problèmes sans fin de diffusion, de commercialisation. Alors à quoi ça peut mener ? Donc vous pouvez avoir une première stratégie, comme Anne-Laure Brisac l'avait évoqué. Elle décide, elle, de démarcher presque tous les libraires, faire le maximum pour suivre et porter ses livres. Ou bien vous prenez aussi une autre stratégie, qui en soi n'est pas non plus critiquable. Vous pensez que, avant même d'imprimer vos livres, avec des subventions ou avec des grosses ventes institutionnelles, vous devez déjà avoir rentabilisé vos ouvrages. Voilà, donc différents cas de figure, et évidemment, la première solution est plus intéressante pour quelqu'un qui veut voir ce que devient son travail. Voilà. À propos du choix du traducteur, il y a aussi une problématique qui est extrêmement présente dans notre époque, mais qui est moins marqué pour le grec, c'est que si vous traduisez, par exemple, de l'arménien vers le français, vous devriez être arménien quand même, sinon c'est pas sérieux. Et puis c'est très gênant que quelqu'un de l'extérieur vienne mettre son nez dans nos affaires à nous. Voilà, donc je dérange parce que je ne suis pas arménien. Alors cette mentalité ou ces réflexes existent aussi pour le grec, mais c'est moins fort. Et pour l'instant, je n'ai jamais été en but à ce genre de reproche, car je ne suis pas grec non plus, et ça ne va pas changer. Voilà. Décidément. Voilà. Sinon, on va se rapprocher maintenant du thème principal aussi, qui est le roman. Mais avant, il y a encore, par rapport à ce roman, il y a toujours effectivement une question par rapport à la traduction. Parce que, comme disait Hervé, tout ce qu'il traduit a un point commun, ce sont des histoires ou des auteurs qui ont écrit sur Constantinople, à l'époque où cette ville était cosmopolite. Et effectivement, quand on lit le roman de Thrasos Kastanakis, effectivement, on s'aperçoit que, bien sûr, ce livre est en grec, mais que les Grecs de Constantinople, de cette époque-là, parlaient une espèce de sabir où on mélangeait tout un tas de mots qui venaient d'Afrique du Nord, d'Égypte, qui venaient du turc, bien sûr, du grec, bien sûr, du français, et de l'arménien, et de tout un tas de langues. Et d'ailleurs, à chaque fois que Hervé traduit un roman, que ce soit donc Manoui Le Hadje, dont traduit du grec, il y a toujours un lexique, mais il laisse les mots qui sont
un petit peu comme ça, qui viennent un petit peu toutes les langues, il les laisse souvent telles que. D'ailleurs, le titre le dit, puisque c'est Manoui le Hadj, et on parlera tout à l'heure de la signification de ce titre. On retrouve la même chose dans les livres traduits de l'arménien, on retrouve dans Ces sombres jours, on retrouve aussi plein de mots qui viennent de plusieurs origines et qui sont effectivement, qui font l'objet, sont surtout des mots turcs, qui font l'objet d'un petit lexique en début de livre. Et sur le crépuscule des fourmis également, qui est aussi traduit de l'arménien. Je conseille d'ailleurs, au passage, je conseille vraiment Ces sombres jours, qui est effectivement très insuffisant au niveau de la forme, c'est-à-dire du papier, de la qualité, du format et même de la typographie. Mais par contre, le fond, c'est un livre formidable qui est sous forme de nouvelles, mais qui sont écrites avec une grande élégance, effectivement, par rapport à un sujet qui est très triste, qui était la déportation des Arméniens dans le désert près de la ville d'Alep. Voilà. Effectivement, à chaque fois que, comme le point commun, c'est Constantinople, à chaque fois, les mots d'origine étrangère font l'objet d'un lexique particulier et sont expliqués. Alors, tout à l'heure, j'ai évoqué le fait que ces imports dans la langue française, donc vers laquelle je traduis, parfois ne peuvent pas passer. Alors, bizarrement, dans mon oreille, et donc c'est là que le traducteur intervient, j'ai beaucoup de mal avec les italianismes. C'est-à-dire que j'ai l'impression, si je garde les italianismes, que ça fait du mauvais français, et donc j'ai tendance à les traduire vers le français et à ne pas les conserver. Voilà, par exemple, vous voyez, mais ça c'est vraiment, comment dire, c'est la sensibilité propre de la personne qui traduit. Une autre personne traduirait sûrement très différemment. Justement, je voulais te demander des précisions sur tes méthodes de travail, justement, quand tu traduis. Alors, c'est simple. Donc là, maintenant, je crois que je sais comment faire. C'est, d'abord, je lis évidemment le livre. C'est mieux quand même. Et généralement, quelque chose doit me plaire, quelque chose doit me parler. Le plus simple, pour pouvoir revenir sur le texte et le travailler à nouveau, le plus simple, c'est quand même de passer par le papier pour moi. Et ça me permet de travailler autant de fois que je le veux avant de passer sur l'ordinateur. Et quand je saisis mon texte, j'ai aussi encore la possibilité de le travailler, mais de pouvoir déjà saisir un texte qui soit complet. C'est-à-dire je ne laisse pas de blanc. C'est difficile de laisser un blanc sur ordinateur, alors que sur du papier, c'est possible. Évidemment, quand vous traduisez à partir d'une langue étrangère, deux mondes relativement différents dans lequel différents de celui dans lequel j'ai moi-même grandi et dans lequel j'ai été formé, vous allez forcément avoir des lacunes en vocabulaire, vous allez forcément avoir des lacunes pour certaines expressions. Ça ne peut pas être autrement. Eh bien, ça ne fait pas de vous forcément un mauvais traducteur ou un mauvais connaisseur de la langue de départ, mais ça veut juste dire qu'il va falloir chercher. Et puis éventuellement, parce que par exemple, pour le livre dont on parle ce soir, mais pour d'autres aussi que j'ai traduit, l'oralité a une place importante. Et donc, il est possible que certaines expressions ou certains mots ne soient consignés nulle part et qu'il faille demander à quelqu'un qui parle la langue de façon naturelle pour comprendre un tour, une expression. Voilà, donc c'est comme ça, je prends mon temps, je fais les choses d'abord sur papier, ensuite je les saisis sur ordinateur. Et puis, pour tous les livres qui ont été publiés chez Métis Press, il y avait, j'imagine qu'il y a toujours, quelqu'un de très important dans la fabrication des livres. C'est un monsieur qui s'appelle Marc Logoz. Alors, il était aussi pinailleur que moi, et comme son français est différent du mien forcément, puisque lui, il est genevois, si lui ne comprenait pas, c'est qu'il y avait vraiment un problème. Donc on arrivait à une espèce de négociation à deux, parfois, à trouver des formules qui soient compréhensibles par tout le monde. Et ça, c'était vraiment un apport très important, d'avoir quelqu'un qui vous relie, parce que je ne sais pas si vous en avez fait l'expérience, mais il est très difficile, à partir d'un moment donné, de corriger son propre texte. Donc vous vous doutez bien que ce n'est pas parfait, ou que ça pourrait être meilleur,
mais vous ne savez pas comment faire. Et donc le regard d'une personne extérieure est extrêmement précieux. Voilà. Pour ce qui est de la traduction en général, de mon parcours en particulier et des points de méthode que je voulais évoquer ce soir. Donc là, nous allons passer donc à la deuxième partie qui est donc sur le roman même et son auteur. Alors tout d'abord, le roman donc s'appelle Manuil Le Hadj, et Le Hadj désigne la personne qui a fait un pèlerinage à la Mecque. Alors ça peut paraître curieux puisque Manuil est un grec et il est orthodoxe. Mais ce titre s'employait par les chrétiens ottomans quand ils accomplissaient non pas le pèlerinage de la Mecque, mais celui de Jérusalem. Et ce titre était un signe extérieur de respectabilité, alors qu'on va voir au fur et à mesure, en parcourant ce roman, qu'on est loin d'être devant un personnage très recommandable. Alors ceci étant, je voulais savoir si tu avais des pistes à nous donner quant à l'histoire de ce livre, sur l'époque à laquelle il a été écrit et pourquoi il a été édité seulement en 1950 et donc traduit bien plus tard. Et si tu savais aussi des choses sur la vie de Thrasos Kastanakis. Et quand tu veux, nous pourrons aborder un extrait du livre qui donne un peu le ton sur le personnage central qui est Manuil Le Hadj. Alors, ce qui m'a beaucoup plu dans ce roman, c'est que ce n'est pas du tout un livre qui est écrit sur le mode héroïque ou sur le mode, comment dire, de la complaisance envers le groupe de départ. C'est aussi un des points importants pour moi, qui est commun à tous les ouvrages que j'ai traduits, c'est qu'il y a forcément une dimension autocritique, ironique, de la littérature par rapport au point de référence. Donc, ce Hadji, qui a un pignon sur rue, en tout cas rapidement dans le roman, ben, il n'est pas du tout le blanc preux héros grec orthodoxe auquel on pourrait s'attendre. Et je trouve que ça met un bémol sympathique dans la production très très fournie encore en Grèce sur l'Orient grec orthodoxe. Voilà. Et donc le roman lui-même suit la vie adulte d'un grec orthodoxe, un Romios, Manuil, qui vit dans le cadre impérial. C'est l'Empire ottoman finissant, mais évidemment lui-même n'en sait rien. Thrasos Kastanakis connaît bien cette atmosphère, ce lieu. C'est là où il va grandir et où il est formé. C'est là où il vient aussi à l'écriture. C'est quelqu'un qui commence à publier ses premiers textes dans la Constantinople de l'après-guerre, occupée par les Français et les Britanniques, comme je l'ai dit, et où il y a une floraison, donc après plusieurs années de conflits et après plusieurs années de dictature dans l'Empire lui-même, où il y a une floraison d'activités culturelles, littéraires, où il y a beaucoup de magazines, de revues qui sont publiées. Et donc, Kastanakis campe son personnage dans cette ambiance qu'il a connue. Alors, qu'est-ce qu'il a de particulier ? À la fois, c'est un roman qui est extrêmement daté. Il y a beaucoup de traces du cadre chronologique en question. C'est évidemment un roman qui se passe à Istanbul-Constantinople. Et puis ça aussi, un aspect un peu intemporel, c'est un ambitieux qui a une revanche à prendre sur la vie et qui veut conquérir tout ce qu'il pourra autour de lui. Alors ça ressemble un petit peu à la fois à Rastignac et à la fois éventuellement à Julien Sorel, avec d'autres ambiances, évidemment. Cette envie de réussite, donc, qui me fait penser aussi à cette injonction, la start-up nation. Il y a que les winners qui ont le droit de citer. Il y a plein de gens dans une gare qui sont des gens de rien, n'est-ce pas ?
Donc tout ce contexte actuel qui va façonner notre lecture, eh bien, pour le romancier, il ne s'agira pas de faire la chronique d'une réussite merveilleuse et lisse. Évidemment, le Hadji est un drôle de pèlerin. Le Hadji est quelqu'un d'assez peu fréquentable et on le découvre petit à petit. Voilà. D'ailleurs, c'est maintenant que nous avons prévu la première lecture et c'est moi qui vais lire puisque nous allons alterner les passages. Manuel ne ferma pas l'œil de la nuit et le jour suivant, très tôt, il monta dans le premier vapeur et descendit à Galata. Il se demandait combien d'heures il était resté avec Ibrahim. Est-ce que nous avons beaucoup bu ? Kher Ali entrait et sortait. Il nous apportait du raki. Il disparaissait à nouveau. Son maître lui a fait comprendre dès le début que nous avions à parler tous les deux d'affaires privées. Combien de fois a-t-il disparu de devant nous comme ça, effrayé et poli envers moi ? Ibrahim a dû lui parler, un véritable esclave. Qui sait ce qui a pu se passer entre eux ? Leurs histoires ne m'intéressent pas du tout. Cependant, il est certain qu'Ibrahim m'attendait. Qui l'avait travaillé ? Sûrement Tassoula. Elle parle toujours peu, mais ses paroles étendent leurs racines. Il faut craindre les femmes qui parlent peu. Combien d'heures suis-je resté au Konak ? Ibrahim était prêt. Il m'attendait vraiment. Quand je suis parti, dès que les gens qui hurlaient furent loin derrière moi, dès que j'ai cessé de les entendre, de partout les coqs se sont mis à chanter. Aucun de mes ouvriers ne m'a aperçu. Je suis tombé sur le canapé en bas, un instant, tout habillé. Et puis je me suis réveillé en sursaut. J'ai eu l'impression que Bayazid Bey était devant moi et derrière lui ce Hassan. Bayazid ne parlait pas. On aurait dit un visage de trépassé, comme les fantômes qui soulèvent leurs pierres tombales et sortent. J'ai regardé Hassan, un fantôme, lui aussi, de la même façon. Je me suis réveillé en sursaut, donc, cette nuit-là, ce petit matin-là. Je me suis passé la tête sous le robinet. Et maintenant, droit à Galata. Je dois voir mes commerciaux, parce que moi, je suis un homme paisible, un boulanger. Je fais bien sûr de plus grandes affaires aussi, avec de la farine et d'autres marchandises semblables. Mais un homme paisible. Si par exemple, on cherche à savoir ce que j'ai fait, où j'étais, avec qui j'avais affaire, on dira... Il discutait avec ses marchands de farine. C'est comme ça. Son cœur se réjouissait quand il pensait à combien il était facile de tromper les gens et de réussir les coups les plus secrets sans laisser de traces nulle part. Voilà, c'est la première... On voit déjà un petit peu le personnage se tracer. Par contre, c'est... Il dort mal quand même. Oui. C'est quelqu'un qui est retors. C'est pas quelqu'un d'inhumain, c'est pas quelqu'un à qui on ne peut pas du tout s'identifier. Et ça aussi, ça me plaît parce que ça nous permet aussi de regarder en nous des choses qui sont pas forcément les plus sympathiques. Voilà. Par contre, ce qui est curieux, c'est que ce personnage décrit par Kastanakis est très très loin visiblement de la vie de l'auteur. Est-ce que tu peux nous dire deux mots sur cet auteur ? Oui, alors, moi je pense que c'était quelqu'un qui... Donc, d'une façon évidente, quand on lit ses romans, il a une vie intérieure très riche, il a des fantasmes, il a des appétits. En tout cas, c'est ce qu'il laisse paraître dans ses livres. Alors, ça permet de revenir un petit peu sur Kastanakis. Il a écrit beaucoup de choses en grec, mais qui se passent en français, et qui donc n'intéressent pas beaucoup le lectorat grec de Grèce. Il a écrit en tout, je pense, 3 livres qui ont pour objet, ou qui ont comme toile de fond, ou qui ont comme lieu principal d'action Istanbul-Constantinople. Alors, il y en a un qui s'appelle « Iphili ton anthropon », je pense que je me suis trompé d'accent. Iphili, Siligusa. Iphili. Iphili ton anthropon, donc la race des hommes, des êtres humains.
Et puis il a écrit également Ipaïda, le piège, qui se passe également à Istanbul. Pourquoi vous dis-je ça? Oui, alors voilà, donc il quitte Istanbul quand Constantinople va devenir Istanbul, juste avant, et puis il vit à Paris. En fait, il va passer toute sa vie à Paris avec une vie d'universitaire. C'est pas forcément les gens les plus drôles, c'est pas forcément les gens qui ont une vie privée trépidante. Il vient en Grèce de temps en temps, donc n'étant pas lui-même un grec de Grèce. Et puis bizarrement, il a la bonne ou mauvaise idée de venir en 41 en Grèce, d'échapper, de partir de la France occupée. Et quand il arrive en Grèce, la Grèce n'est pas occupée, mais elle le sera bientôt. Et à ce moment-là, il va donc vivre des années très dures en Grèce. C'est le seul passage de sa vie qu'il passe ici. Mais il venait relativement souvent. Il n'a jamais bénéficié d'une grande notoriété. On savait que c'était quelqu'un de cultivé, on savait que c'était un écrivain, mais il n'a jamais eu la reconnaissance qu'il espérait un peu. Et je pense que le choix de ses thèmes explique un petit peu ça. En fait, il était en porte-à-faux à deux titres. Il n'était pas grec de Grèce, et puis il était également un grec vivant à Paris. Et donc les choses dont il pouvait parler n'étaient pas forcément ce qui intéressait le public local. Voilà. C'est quelqu'un qui meurt dans les années 60, en 67, si je ne dis pas de bêtises, et qui meurt de cirrhose. Il a été marié deux fois, et il est veuf inconsolé. Voilà. Et puis sinon, il a aussi la réputation... Il vivait dans un petit logement... dans une rue près de Montparnasse, en fait un ancien local commercial qui n'est pas très comment dire, lumineux et qui à l'époque était également humide. Si j'ai noté correctement, si je me souviens bien, c'est au 5 rue Linné. C'est une rue qui est vraiment pas loin de Montparnasse. Voilà. Donc, quelqu'un qui peut mettre en scène dans ses livres des choses troublantes, des choses hautes en couleur, mais qui lui-même n'a pas forcément eu une vie qui ressemble beaucoup. Voilà. Tu veux ajouter quelque chose ? Oui, je veux toujours ajouter des choses. Alors... Donc je vous ai parlé du porte-à-faux, du double porte-à-faux, voilà. Et puis on avait pensé, maintenant que j'ai beaucoup parlé de façon un petit peu générale, on va vous donner de nombreux extraits du livre. Donc le deuxième extrait qu'on veut vous lire, c'est un extrait où le thème de la revanche à prendre, donc de la motivation profonde de ce personnage, est évoqué. Donc c'est Lisa qui va le lire. Oui, récite. Alors c'est effectivement la clé du roman, c'est sur une vengeance d'ordre social. Manouil Le Hadj, il est en pleine revanche sociale et on va un petit peu expliquer pourquoi par ce passage. Alors ce passage évoque quelqu'un qui s'appelle André, qui est André, je ne me souviens plus le nom de famille. Mouratis. André Mouratis, qui est quelqu'un qui l'a connu étant jeune. Et donc, à un moment, Manouil repense à cet André Mouratis et à sa famille. Et donc, ça va être la clé de cette vengeance sociale, va se passer tout au début du roman, à la page 30. Manouil le regardait ce soir aussi, comme à chaque fois qu'il le rencontrait. Ce dernier le préoccupait, comme quand ils étaient enfants, élèves tous deux au lycée franco-hellénique. Une famille très riche que celle d'André, du nom de Mouratis. Son père, conseiller juridique dans quelques sociétés connues de par le monde, et sa mère, Jeannette, beauté distinguée de Constantinople, avaient à ses pieds les médecins ou banquiers juifs les plus renommés, et parfois les ambassadeurs
autrefois omnipotent des grandes puissances, s'entretuait pour ses jartels. Les mauvaises langues l'appelaient l'encrier diplomatique. Et quant à son mari, on disait qu'il avait un vrai cœur d'or et des cornes en or, plus véritables encore. À l'école, le petit André arrivait toujours en voiture avec un serviteur qui lui portait son cartable. Il avait aussi une sœur, beaucoup plus petite, un bébé à l'époque. On disait qu'elle hériterait de la beauté de sa mère. Les années passèrent. Jeannette sortait de moins en moins. Les gens la voyaient rarement. On commença à murmurer qu'elle était souffrante. De quelle maladie ? Mystère. Elle partit en voyage en Europe pour voir des médecins. D'autres colportèrent qu'elle avait abandonné mari et enfant pour suivre l'ambassadeur d'Autriche, un vieux damné que l'on rappelait à Vienne pour le muter vers quelque autre capitale. Mais Jeannette revint. Manouil se souvint qu'il l'avait rencontrée un dimanche à l'embarcadère du vapeur, quelques jours après son retour. Oui, il se souvint encore de l'expression de désespoir sur le visage de cette belle femme. De temps à autre, elle bougeait la main comme si elle avait un éventail pour s'aérer, comme si l'atmosphère l'étouffait. Elle était accompagnée de son serviteur et de sa fille, et celle-ci devait avoir alors 8 ans. Elle portait une petite robe de velours bleu, dans ses cheveux un ruban bleu, des escarpins noirs et des sockets blanches. Cette même année, en hiver, on apprit qu'on avait transporté Jeannette Mouratis dans une des cliniques célèbres de Constantinople. Puis presque aussitôt, de façon inattendue, sa mort. Beaucoup se souviennent aujourd'hui encore de son enterrement, lequel ne fut pas un enterrement, mais des entestéries. C'est à partir de ce moment que commença la déchéance de la famille. Donc on se doute que Manouil Le Hadj attend cette déchéance et les vengeances ne vont pas tarder. Alors ensuite, une fois posé cela, on va découvrir dans chacun des antagonistes leurs défauts, leurs faces sombres. Et on va aussi découvrir la violence des rapports entre hommes et femmes, la violence des rapports sociaux dans cette société de Constantinople, les revanches personnelles à prendre. Et on va aussi découvrir les bas-fonds de Constantinople et puis la sexualité à l'état brut, entrecoupé de pages d'une grande sensualité. Alors effectivement, au travers de ce roman de Thrasos Kastanakis, c'est pour ça que tout à l'heure je voulais demander un peu quelle était la vie de ce romancier, on va découvrir des personnages en couleur, mais on va explorer aussi les ombres de l'âme humaine. Et puis ce qui est très curieux par rapport à une vie apparemment extrêmement plate, les personnages sont effectivement très troublants à différents niveaux. Alors il y a une liste de personnages un peu clés, je ne vais pas parler de tous les personnages parce qu'il y en a énormément, mais ceux qui sont vraiment importants. Alors d'abord il y a Ibrahim et ses chiens féroces ainsi que Cœur Ali. Alors Cœur, ça c'est Hervé qui me l'a appris parce que j'en savais strictement rien, veut dire aveugle, hein, parce qu'Ali est aveugle. C'est un mot turc. Voilà, c'est un mot turc. Et en fait, je suis certain qu'un grec d'aujourd'hui ne connaît pas le mot cœur, mais... Le romancier l'emploie dans son roman. Donc ça fait un peu comme une épithète constamment répétée, quoi. Cœur Ali. Et donc il n'y avait pas de raison de changer. C'est aussi étranger au grec que ça l'est en français. Il suffisait d'expliquer une première fois. Donc il se trouve que c'est en fin de volume ce que ça veut dire. Et je conservais et même le son Cœur Ali. À Istanbul, si vous allez dans le quartier du patriarcat arménien, il y a un très bon restaurant de poissons qui s'appelle Kör Agop. Voilà. Alors là, donc, nous allons situer en un petit extrait de Ibrahim, de ce fameux Kör Ali, et puis de leur chien, enfin de ses chiens. Donc Ibrahim est quelqu'un qui a à peu près l'âge de Manouil. Comme vous l'entendez par le prénom, il est de l'autre côté de la société. Il est musulman. Donc il est ottoman, il est des Turcs, un Turc ottoman. Et normalement, c'est son ami. Voilà. Et Kör Ali, c'est le domestique d'Ibrahim. Voilà. Le jour suivant, Manouil accourut à nouveau au Konak.
Cette fois-ci, Ibrahim l'attendait, toujours avec ses vêtements de nuit en soie qui lui tombaient jusqu'aux chevilles et les lui recouvraient. On voyait qu'il n'avait pas dormi. Ses yeux étincelaient malgré l'insupportable fatigue. Les muscles de son visage, là près des lèvres, avaient un tremblement nerveux qui modifiait son aspect. « Nos affaires vont mieux que ce à quoi je m'attendais, » dit Manuel. « Le mort est chez nous. Toute la nuit, ce ne fut que pleurs et lamentations funèbres, mais les deux femmes supportent bien. »« Que te dit Tassoula ?»« Elle ne m'a rien dit. Elle ne parle pas. »« Et ta mère ?» Manuel hésita un instant, puis de son autre voix. « Elle non plus ne dit rien. » Mais elles ne t'ont pas parlé du tout ? Pas du tout. Mais c'est aujourd'hui l'enterrement ? Oui, oui, je me suis occupé de tout. On dit qu'il y aura beaucoup de monde. C'est ce que j'ai entendu dire, moi aussi. Mais mes aptillés se tiennent prêts à frapper dans le vif si les vôtres s'avisent de faire quoi que ce soit, parce qu'ils disent que ce sont des Turcs qui ont tué le garçon. C'est ce qu'ils disent, mais ne crains rien. Eux, je ne les crains pas. Les hommes, Ibrahim n'en a jamais eu peur. En conversant ainsi, il s'était avancé vers le Konak où Selim était au garde à vous. Il ouvrit la porte, il les devançait, il ouvrait les portes secondaires à l'intérieur. D'en bas, des terrasses du jardin, on entendait les chiens qui se mirent soudain à hurler tous ensemble. Donc en fait, le titre de la première traduction qui a été publiée... fait référence aux chiens qui hurlent dans la nuit. Voilà. Moi, je ne voyais pas pourquoi il fallait changer le titre, d'autant que le Hajj, c'est quand même maintenant très connu en France. Il suffisait d'accepter la forme Hadji, donc la personne qui fait le Hajj. Qu'est-ce que je pourrais dire sur ce passage ? Tassoula, c'est sa femme. C'est sa femme qui, en fait, a perdu son frère. Voilà. Un jeune homme qui a été tué. Et les chiens, enfin, on ne peut pas tout dévoiler, mais les chiens ont une importance et c'est pour ça que nous avions choisi ce passage. Mais non, on ne dit rien du tout. Alors ensuite, effectivement, dans ce livre, on voit beaucoup de rapports de maître à esclave entre les protagonistes eux-mêmes et qui terrorisent et qui ont plaisir à terroriser en plus les femmes et les filles. Et le destin tragique de la pauvre Chocolat au corps torturé qui est pensionnaire du bordel de Madame. Donc, effectivement, il y a des rapports de soumission entre Ibrahim et Manuel Le Hadj, entre Madame et sa servante difforme, Yorgula, qui joue de la veulerie de ses messieurs pour sauver sa peau et sa bosse. Parce que la pauvre Yorgula, effectivement, elle est plus maligne que jolie, on va dire. Alors, pour situer un petit peu ces rapports aux filles et aux femmes, nous allons donc vous lire un autre passage. Plus tard, Marika apprit que tout ce tas de femmes louches qui l'entoura quand elle pénétra dans la maison des Arafians étaient les filles de Madame Rosetta venues de Therapia et qu'elles étaient venues à la demande de Manuel Le Hadj. Il avait payé tant et plus et elle les avait toutes transportées pour qu'ainsi tout fût selon son plaisir. Aucune d'entre elles ne manquait, et il y avait même de surcroît cette Lina, la sosie de Marika Mouratis, que Manuel avait rencontrée dans la maison que lui avait recommandée à Petra Michel Govi. Tout comme cette domestique qui la suivait toujours très fidèlement, Yorgula, la petite bossue, celle qui, si on lui demandait « Comment tu t'appelles ?» répondait « Yorgula Milotis !» toujours avec son prénom ainsi attaché à son nom de famille, ce qui lui semblait être un signe irréfutable de sa noblesse. Mais Marika ne savait rien de tout cela, et grande était la surprise qui la submergeait face à une telle foule féminine. Elle ne pensa même pas un instant à faire machine arrière, à prendre la porte et à fuir. Les filles circulaient autour d'elle. Un moment, elle prit la main de Manuel Le Hadj pour se contenir, parce que d'une porte sortait une très jolie fille brune à moitié nue. Elle avançait comme prise d'un songe, comme une somnambule, et quand on prêtait attention à ses yeux fous, qui ne regardaient nulle part, ils ne reflétaient rien qu'une indicible terreur cachée. Alors, on sentait sa beauté se changer en un spectacle insupportable. « Qui est-elle ? » demanda Marika, et elle se tint plus fermement à la main de l'homme. « C'est Chocolat, chuchota-t-il. »
une des plus jolies filles. Mais il lui arrivait quelque chose ici, il y a longtemps. Nous lui avons fait faire, moi et Cœur Ali, une petite promenade maritime. Et ensuite, Cœur Ali l'a prise dans le Kaïk Hané. Ils y sont restés tous les deux. Mais qu'est-ce qu'elle a ? Pourquoi marche-t-elle ainsi ? On dit qu'elle n'est plus la même. Alors, cette pauvre Chocolat, on ne vous dit pas non plus que les horreurs qu'elle a dû subir. Mais bon, voilà, on en a une petite idée comme ça avec la promenade maritime. Alors, non, on ne dit rien. Et toujours, effectivement, dans ce livre, on va voir non seulement effectivement les rapports de soumission des filles avec leur madame, avec les hommes, les clients. Et puis, on va voir aussi les rapports de soumission et la vengeance terrible de Malouil Le Hadj contre son épouse Tassoula. Les rapports de protection aussi entre Tassoula et son frère Alekos, entre Tassoula et sa belle-mère Angerou. Et puis, il y a aussi dans les maisons closes de Madame, il y a un certain Simeonakis qui rôde. Et c'est un flic. Alors, on le dirait sorti d'une série noire. Et puis, il y a évidemment André Mouratis qui, dans sa déchéance, devient une pauvre épave, un lâche. Et puis, il y a Marika, sa sœur, qui est une belle hautaine. Et puis, tous sont enfin les objets de la vengeance de Manouil. Et puis, il y a aussi Erifili, la sensuelle. Et puis, toute une suite de personnages qu'on pourrait retrouver dans le cinéma de Pasolini, où on retrouve ainsi la cruauté, la beauté des corps et les corps bruts. Et la brutalité des sentiments. Alors, si vous avez encore un peu de courage, on a un dernier extrait. Voilà, on a pensé que c'était mieux que ce soit le plus tardivement possible. Voilà, c'est une préparation pour l'été. Oui, c'est pour un été chaud. C'est la littérature. Oui. Il ne faut pas penser que Thrasios Kastanakis a vécu comme ça. Non, pas du tout. Que nous-mêmes... enfin, voilà. Allons-y. Mon mâle, mon arabe. Je veux sentir ta chaleur. Ils ne fermèrent pas la porte. Il s'était agenouillé devant elle, avait relevé sa jupe et lui tira ses jartelles. Il la tira vers lui et ils tombèrent sur la peau d'ours rousse qui se trouvait là, juste derrière la table où il y avait ses registres et ses coffrets, à côté des deux fenêtres. Très peu de lumière provenait des deux lampes du couloir. Ils ne craignirent pas qu'on puisse les voir ou les entendre. Qui pouvait se trouver près d'eux à cet instant ? C'était leur affaire. C'était inattendu et si rapide que personne d'autre ne pouvait comprendre ni s'interposer. Ce n'est que quand il lui découvrit la poitrine et qu'Erifili vit bientôt sa propre nudité dans la lumière éthique luire sur la peau d'ours, quand elle comprit enfin sa joie à lui, et qu'elle la serra dans sa paume avant de la prendre à l'intérieur des lèvres secrètes de sa vie, qu'elle lui dit alors. « Ah, mets-moi la main sur la bouche, ferme-la bien fort, je n'en peux plus. Fort, je te dis oui, plus fort, encore bien serré. Moi, je crie beaucoup. » Il la bâillonna de sa main, il recouvrit le frétillement de sa chair, ses cuisses insoumises, son ventre, ses genoux. Il les recouvrit, les attachait à son lourd corps rapide. Il y avait des fois où sa paume se plaquait plus rudement à ses lèvres. Là, il sentait son cri plus fort qu'un baiser ardent dans sa main, qu'il la tenait, que sa voix passait dans son sang, infini frisson. Et pas un instant leur plaisir ne se trompa au cours de leurs étreintes. Quand arriva la fin et qu'il retira sa main de sa bouche... « Mon mal, lui répéta-t-elle. « Rifili, si les choses s'étaient présentées différemment dans ma vie... » Et son visage descendit le long de son corps. Il le promenait sur sa rose nudité, ses lèvres épaisses, sa barbichette poudrée. Il allait là où son élan libéré le portait, prêt à nouveau pour l'amour, sa tire insatiable. Il la laissa lui serrer la tête avec ses cuisses qui recommençaient à s'endiabler. Ah, Erifili, si je pouvais recommencer ma vie. Voilà, alors bon été à tous. Hein. Si vous avez des remarques, des questions, elles sont les bienvenues. Je voudrais peut-être préciser quelque chose sur les rapports entre hommes et femmes, parce que quand j'ai publié cette traduction,
J'ai distribué autour de moi quelques exemplaires et je m'attendais éventuellement à être invité quelque part pour faire une présentation comme ce soir. Et des gens m'ont dit que vraiment non, les femmes étaient trop maltraitées dans ce livre pour qu'on puisse présenter l'ouvrage, la traduction que j'en avais faite. Et j'ai trouvé que c'était extrêmement blessant et c'était aussi très bête. Parce que justement, et je pense que c'est sensible dans le dernier passage qu'on vient de lire, les femmes ne sont pas du tout passives dans ce livre. Et bien sûr, vous pouvez deviner déjà que Chocolat a été très maltraité, mais les femmes ne sont pas passives, ni dans l'amour, ni dans la vengeance. Voilà. Et donc, je trouve que c'est un roman tout à fait intéressant à cet égard. Les femmes ont un rôle tout à fait important. Évidemment, Manouil ne s'en rend pas compte, ce n'est pas ce que Manouil désire toujours, mais je trouve que la position des femmes, si je puis dire, dans ce roman, est plus compliquée qu'il n'y paraît. Voilà, et je pense que ça a mérité éventuellement une lecture un petit peu plus soignée de la part de gens que je connaissais depuis très longtemps. Voilà. D'autant que, effectivement, les femmes ont aussi leur propre vengeance, mais effectivement, il y a aussi des rapports, y compris au XXIe siècle, dans la prostitution, les rapports sont toujours effectivement des rapports où il y a un dominant et une dominée, ou un dominant, un dominé, peu importe, mais voilà, et ça, donc... comment Castanakis le décrit, mais c'est une réalité aussi, c'est pas quelque chose... Alors ça veut pas dire que parce qu'on décrit une réalité, on y adhère aussi. Le livre donne des personnages qui sont vrais. On va pas présenter un bordel, pour dire le mot cru, on va pas le présenter avec des, je sais pas moi, des roses et des choses qui sont... justement, c'est très dangereux de présenter un aspect de la prostitution un petit peu édulcoré, alors que là, bon, effectivement, Castanakis dit les choses, dit la vérité, mais c'est ce qui se passe toujours. Bien, la prostitution et le bordel, ça existe à Istanbul jusqu'à aujourd'hui, n'est-ce pas ? Il y a des rues même qui sont consacrées à ça, qui sont d'ailleurs très contrôlées par l'État. Les choses ne sont pas du tout, illégal ou anonyme, enfin c'est pas, voilà. Donc, mais si à Istanbul ça se voit et que c'est clair, je veux dire en Allemagne aussi, il y a des endroits où c'est clairement organisé tout ça. En France, c'est plus discret, mais les choses existent aussi, n'est-ce pas ? C'est presque plus discret. Voilà, donc une chose est certaine, c'est que jusqu'à un certain âge... les hommes faisaient leurs premières expériences sexuelles dans le cadre de la prostitution. Donc c'est une institution qui a été abolie en France et on imagine que ça n'existe pas et que ça ne doit pas exister. Mais il y a plein d'autres sociétés, quel que soit le jugement moral que l'on porte là-dessus. Donc moi, je n'ai pas envie que ma fille aille travailler dans un bordel ou... Et j'ai un garçon de 20 ans. Évidemment, je ne prévois pas les mêmes choses pour lui non plus. Donc... c'est une évidence, mais voilà, l'historien est bien obligé de prendre en compte aussi des choses qu'on n'apprécie pas ou qu'on ne cautionne pas, mais qui existent, voilà. Et on a parfois l'impression, pour certains lecteurs, que c'est ce qui devrait être qu'on doit trouver dans la littérature. Eh bien, ce n'est pas avec de bons sentiments qu'on fait de bons livres, voilà. Oui. Oui. Absolument. La manipulation, c'est juste. La manipulation, juste. Oui. Alors, quand on vit dans une société où les choses doivent être cachées en grande partie, où il y a des rapports imposés, donc un grec orthodoxe peut s'enrichir, mais ce n'est pas lui qui sera kaimakam.
les gens n'ont pas le même statut. Une femme peut avoir des ambitions, mais elle n'a pas, dans la société ottomane tardive, elle n'a pas la même place qu'un homme. Comme les statuts sont a priori différents, ils sont obligés d'avoir des stratégies les uns envers les autres, et donc ils manipulent. Ils manipulent, elles manipulent. Oui, et j'ai bien aimé l'expression que tu as employée, on ne sait pas qui manipule qui. Et Emmanuel ne le sait pas non plus. Voilà. Et c'est un ressort de la narration. De toute façon, toute vengeance est forcément à partir d'une stratégie de manipulation. Sinon, c'est impossible. Il faut effectivement qu'il y ait ce... Mais c'est bien vu, oui, effectivement, c'est beaucoup sur la manipulation. Et on s'aperçoit aussi de l'échelle sociale, justement. Même les femmes un peu plus haut placées arrivent à manipuler et à se venger. Alors que quand on arrive en bas de l'échelle comme cette pauvre chocolat, ben là, évidemment. Oui, oui, la bossue, elle manipule. Oui, oui. Mais elle est, oui, 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 oui. Mais elle est aussi intelligente que l'aide, à mon avis. Écoutez, si vous n'avez pas envie de rebondir, voilà, on va se séparer. Et je vous remercie beaucoup d'être venu ce soir. Odile. Et on remercie Odile aussi, merci. Bien sûr.